Civilité, enjouée en langue fond du terroir. C'est ainsi que le secrétaire général du gouvernement entre dans l'arène du meeting PAG entouré des ministres de la décentralisation, de l'agriculture, du préfet, du maire et bien d'autres personnalités proches du chef de l'État. L'ancien candidat à la présidentielle de mars 2016 pique pour ses supporters, brise le protocole convenu. Je suis un oiseau libre. Et se pique d'un dialogue décomplexé avec une citoyenne choisie au hasard. Il s'agit d'entendre les attentes des populations. C'est pour répondre à ces souffrances que nous sommes là, rassure le secrétaire général du gouvernement, suivi par un long déroulé du programme d'action gouvernementale pour améliorer le sort collectif. Le maire se prend à rêver. Je rêve donc avec des projets concrets tels que la relance du terminal à conteneurs à Tral, la réalisation de la voie Carrefour-Béoua vers Abakpa, l'installation de Céphale, la relance de la filière ananas. Mais n'oublie pas l'impatience dictée par l'urgence sociale en rappelant une formule du président lui-même. Ne m'appelez pas à mon nom. Attendez, ce n'est pas le moment des félicitations. Les pédagogues du programme d'action gouvernementale repartiront sans doute d'Alada avec en tête les interpellations de Christine, la restauratrice.